Wa assalamualaikum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tey dama def benn vidéo bu ndaw juste une petite vidéo c'est par rapport ak benn affaire boo xam ne dama koy gis fan yii sur les réseaux sociaux et ça m'a beaucoup marqué ça m'a marqué sur le dans le sens où franchement je trouve ça c'est affaire bu sew la c'est sur le cas du monsieur Hassane Diouf moi c'est le Sénégalais bi nga xam ne moo nekk aux États-Unis def ay vidéos et il dénonçait forfaiture am Sénégal il dénonçait beaucoup de choses. Après, bon, il avait son style. Après, peut-être que, bon, moi, je ne partageais pas son style, nous qu'on a fait. Mais, sur le fond, Béni Diop, sur le fond, il se battait pour le Sénégal. Et quand on se dit qu'il se battait pour le Sénégal, donc il se battait pour tout le monde, moi y compris. Et je trouve ça vraiment dommage que le Sénégalais ait tourné sa photo en ridicule. Parce que, bon, ils mettent des photos, bon, quand il était aux États-Unis. Peut-être qu'il était un peu plus clair par rapport à ce que Sénégal. Bon, il y a des photos, il était clair, il était clair. Et je voyais les gens rigoler, ouais, bon, Hassane Diouf, ouais, bon, maintenant, Homala, je trouve pas tout ça rigolo. Moi, c'est Hassane Diouf, moi, je pense que c'est un gars, bon, faut le respecter. Parce qu'il s'est sacrifié, en fait. Il s'est sacrifié pour son pays, il s'est sacrifié pour le Sénégal. Parce que moi, on a toqué, moi, toqué, les États-Unis. Et puis, il a fait sa vie, quoi, tout simplement. Mais là, il a pris des risques. Il s'est exposé, des frères pour Sénégal. Et t'as eu ce Sénégalais, il n'y a pas franchement. Pas Diouf, bien sûr, mais il n'y a pas. Franchement, il y a un autre quoi, je trouve ça c'est trop petit. Parce que souvent les gens ils le disent, ils en ont tout le temps, Sénégalais, n'est pas le faire. Moi je dirais plutôt, qu'est-ce que tu dis faire? Donc, il def pas de conviction. Def plutôt pas de conviction, ne le fais pas, non, donc, il faut le Sénégalais. Parce que eux, le monde dal, le monde dal, mais il y a Moussa Ndiabot, et les gens, ils nous rétendent, ils vont rigoler. Donc, je trouve ça très petit, et que Sénégalais, ils vont ressaisir, ni qu'il a pas mieux en Dieu. Parce que mon courage bi Hassane Diouf def ba am di def ay vidéo di dénoncer li xew Sénégal. Franchement, moi je dis bravo à ce monsieur. On a vu Ousmane Sonko, il s'est levé xex pour Sénégal. Il nous a montré et démontré que Sénégal, c'est un pays bo xamné qui produit énormément de milliards, mais milliards yo xamné ñaar ñett nit ñoko jël diko seddo. Il nous a démontré que tous ces projets ñu indi le Sénégal et payer ce tout ça, on peut bel et bien financer ko tout simplement avec nos impôts, avec nos deniers. Donc je trouve ça vraiment très petit. Bon voilà, c'est un coup de gueule, bon, franchement, moi, c'est mon métier. Parce que le modèle sénégalais, et l'unique pour être diable, moi, il se battait tout simplement pour son pays. Et nous, tant que nous respectons genre Hassan Diouf, tant que nous respectons genre Sonko, tant que nous respectons genre Nitu initiative, bon, écoutez, franchement, je suis vraiment écœuré par rapport à toutes les photos et les vidéos, ils tournent en ridicule Hassan Diouf. Moi je dis respect à Hassan Diouf, respect à Ousmane Sonko et respect à tous ces gens qui se lèvent tous les jours et qui se battent tout simplement pour le Sénégal. Et je vous dis tout simplement, faites-le plutôt par conviction et ne vous dites jamais que vous le faites pour les Sénégalais parce que le plus qui am dinañ la ré te boba ré tu dina am. Donc faites-le plutôt par conviction. Nga xamne le plus qui monte xew ré tu dina am. Salam alaykoum.